D'ailleurs, en souvenir des heures, même purement naturelles, s'ajouterait forcément le paysage moral qui en fait quelque chose d'unique. Quand j'entendrai plus tard le cornet au bouquin du chevrier, par un premier beau ton, presque italien, le même jour mélangerait tout à tour à sa lumière l'anxiété de savoir Albertine au Trocadéro, peut-être avec Léa et les autres filles, pour la douceur familiale et domestique, presque comme d'une épouse qui me semblait alors embarrassante et que Françoise allait me ramener. Ce message téléphonique de Françoise, qui m'avait transmis l'hommage obéissant d'Albertine, revenant avec elle, j'avais cru qu'il m'enorgueillissait. Je m'étais trompée. S'il m'avait enivrée, c'est parce qu'il m'avait fait sentir que celle que j'aimais était bien à moi, ne vivait que pour moi, et même à distance, sans que j'eusse besoin de m'occuper d'elle, me considérait comme son époux et son maître, revenant sur un signe de moi. Et ainsi, ce message téléphonique avait été une parcelle de douceur venant de loin, émise de ce quartier du Trocadéro où il se trouvait y avoir pour moi des sources de bonheur dirigeant vers moi d'apaisantes molécules, des baumes calmants, me rendant enfin une si douce liberté d'esprit que je n'avais plus eue, me livrant, sans la restriction d'un seul souci à la musique de Wagner, qu'à attendre l'arrivée certaine d'Albertine sans fièvre, avec un manque entier d'impatience où je n'avais pas su reconnaître le bonheur. En ce bonheur, qu'elle revint, qu'elle m'obéit et m'appartint, la cause en était dans l'amour, non dans l'orgueil. Il m'eût été bien égal maintenant d'avoir à mes ordres 50 femmes revenant sur un signe de moi. Non, pas du Trocadéro, mais des Indes. Mais ce jour-là, en sentant Albertine qui, tandis que j'étais seule dans ma chambre à faire de la musique, venait docilement vers moi, j'avais respiré, disséminé comme un poudroiement dans le soleil, une de ces substances qui, comme d'autres, sont salutaires au corps, font du bien à l'âme. Puis, ça avait été une demi-heure après l'arrivée d'Albertine, puis la promenade avec Albertine, arrivée et promenade que j'avais cru ennuyeuse parce qu'elles étaient pour moi accompagnées de certitudes, mais qui, à cause de cette certitude même, avaient, à partir du moment où Françoise m'avait téléphoné, qu'elle la ramenait. Coulait un calme d'or dans les heures qui avaient suivi. On avait fait comme une seconde journée bien différente de la première parce qu'elle avait un dessous moral tout autre. Un dessous moral qui en fait une journée originale. Qui venait d'ajouter à la variété de celles que j'avais connues jusque-là et que je n'eusse jamais imaginées. Comme nous ne pourrions imaginer le repos d'un jour d'été si de tels jours n'existeraient pas dans la série de ceux qui nous avons vécu. Une journée dont je ne pouvais pas dire absolument que je me la rappelais, car à ce calme s'ajoutait maintenant une souffrance que je n'avais pas ressentie alors. Mais bien plus tard, quand je retraversais peu à peu en sens inverse le temps par lequel j'avais passé avant d'aimer tant Albertine, quand mon cœur cicatrissait pour se séparer sans souffrance d'Albertine morte, alors, quand je pus me rappeler enfant sans souffrance de jour où Albertine avait été faire des courses avec Françoise au lieu de rester au Trocadéro, Françoise, Albertine, Trocadéro, Albertine, Françoise, Trocadéro, je me rappelais avec plaisir du jour appartenant à une saison morale que je n'avais pas connue jusqu'alors
je me le rappelais enfin exactement, sans plus y ajouter de souffrance, et au contraire, comme on se rappelle, certains jours d'été qu'on a trouvé trop chaud, quand on les a vécus, et dont après coup seulement on extrait le titre sans alliage d'or fixe et d'indestructible azur. De sorte que ces quelques années n'imposaient pas seulement au souvenir d'Albertine, qui le rendait si douloureuse, les couleurs successives, les modalités différentes, les cendres de leur saison ou de leurs heures, de fin d'après-midi, de juin au soir d'hiver, ces clairs de lune sur la mer à l'aube, en rentrant à la maison, de la neige de Paris aux filles mortes de Saint-Claude, mais encore de l'idée particulière que je me faisais successivement d'Albertine, toujours Albertine, de l'aspect physique sous lequel que je me la représentais à chacun de ces moments, de la fréquence plus ou moins grande avec laquelle je la voyais cette saison-là, laquelle s'en trouvait comme des plus dispersées ou plus compactées, des anxiétés qu'elle avait pu m'y causer par l'attente du charme que j'avais à tel moment pour elle, d'espoir formé plus perdu, tout cela modifiant le caractère de la tristesse rétrospective, tout autant que les impressions de la luz y los perfumes que los eran asociados, et compléter chacune des années solaires que j'avais vécues et qui, rien qu'avec leur printemps, leur automne, leur hiver, étaient déjà si tristes à cause du souvenir inséparable de Delenre, la doublée d'une sorte d'année sentimentale où les heures n'étaient pas définies pour la position del sol, sino pour l'espera d'una cita. En donde lo largo de los días o el progreso de la temperatura estaban medidos par l'essor de mes espérances, le projet de notre intimité, la transformation progressive de son visage, les voyages qu'elle avait faits, la fréquence et le style des lettres qu'elle m'avait adressées sur l'absence, sa précipitation plus ou moins grande à mes voir au retour. Enfin, des changements de temps, ce jour différent, s'il me rendait chacun en autre Albertine. Albertine, ce n'était pas seulement par l'évocation de moments semblables. Mais l'on se rappelle que toujours avant même que j'aimasse, chacune avait fait moi un homme différent. Ayant d'autres désirs parce qu'il avait d'autres perceptions et qui, après avoir rêvé tempête et falaise la veille, sur le jour indiscret du printemps avait glissé une odeur de rose dans la clôture mal jointe de son sommeil entrébeillé, s'éveillait en partant, s'attendait pour l'Italie. Même dans mon amour, l'état changeant de mon atmosphère morale, la pression modifiée de mes croyances n'allait-il pas tel jour diminuer la visibilité de mon propre amour, de mi propio amor, y no lo habían tampoco aquel día indéfinidamente étendu. Ay, on n'est pas que par ce qu'on possède, et on ne possède que ce qui vous êtes réellement présent. Étant que nos souvenirs de nos humeurs, de nos idées partaient faire des voyages loin de nous-mêmes, où nous les perdons de vue. Alors, nous ne pouvons plus le faire entrer en ligne de compte dans le total qui est notre entière. Mais on... Albertine est perdue, où est-ce qu'elle est? Mais ils sont des chemins secrets pour entrer en nous. Et certains soirs, m'étant endormie sans presque plus regretter Albertine, elle ne peut être regrettée que ce qu'on se rappelle
Au réveil, je trouvais toute une flotte de souvenirs qui étaient venus croiser en moi dans ma plus claire conscience, que je distinguais à merveille, qu'elle distinguait de manière maravilleuse. Alors, je pleurais ce que je voyais si bien et que l'abeille n'était pour moi que néant. Entonces, lloraba yo lo que veía también y que el día anterior no había sido más que la nada, el vacío. Le nom d'Albertine, sa mort avait changé de sens, ses trahisons avaient soudain repris toute leur importance.